Bonjour, je m'appelle Françoise Figus et je viens aujourd'hui sur la proposition des éditions de l'Harmattan que je remercie pour évoquer l'ouvrage Carnet de guerre et correspondance 1914-1918 de Lucien Murat, mon grand-oncle, paru dans la collection Mémoire du XXe siècle. Je suis tombée par hasard sur ces documents et suite à leur lecture, j'ai ressenti le besoin de les retranscrire et de les faire connaître comme si ma grand-mère, qui était très proche de son frère aîné, me l'avait demandé. Lucien Murat était fils de mineur dans la région de l'Allier et comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, il est mort à la guerre après 15 mois de combat. Il s'était engagé volontaire et après avoir fait ses classes à Roanne et à Charlieu, il fait toutes les campagnes de l'Est et Nord de la France. Comme de nombreux poilus, il a sur lui en permanence quelques carnets, du papier, des enveloppes et des crayons. Ainsi, dans cet ouvrage, composé de 4 carnets, il relate, depuis son départ le 8 janvier 1916, où il est incorporé dans le 98e régiment d'infanterie à Resson-sur-Matz, les faits quotidiens, les vécus de l'enfer du front. À Verdun, dans l'Aisne, en Haute-Marne. Et ses écrits sont souvent émaillés de dessins et de poèmes adressés à sa fiancée, Marguerite Chapelier. J'ai retrouvé également une correspondance très fructueuse. Tout d'abord, une correspondance à partir des années 1914-1915 des poilus déjà partis sur le front et la correspondance de Lucien Murat en 1916 adressée à sa famille et à ses amis. Ces lettres sont souvent poignantes, particulièrement celles adressées à sa maman. D'autre part, le contenu de ces correspondances marque le reflet d'une époque car j'ai retrouvé de nombreuses cartes postales écrites par les poilus lors de leurs nombreux déplacements. Cartes humoristiques, cartes religieuses et cartes patriotiques. Pour conclure, je dirais que tous ces instants de vie qu'il a écrit, tous ces instants de vécu à lui, qui malheureusement aboutirent à sa disparition, sont, et comme tous ceux qui disparaissent dans les conflits armés, sont ceux d'un jeune homme aimant sa famille, sa fiancée et sa patrie. À l'aube du 13 avril 1917, en montant à l'attaque vers Saint-Quentin, il est blessé et porté disparu. Il avait 21 ans.